Et maintenant, voici Quincy Jones. Bonsoir Quincy, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Alors je crois que la meilleure façon de présenter Quincy Jones à ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça, DJ. Ces morceaux et bien d'autres, 100 millions d'albums vendus. Quincy Jones, ou comment un gamin des faubourgs les plus misérables de Chicago est devenu l'un des plus grands compositeurs, arrangeurs, producteurs de musique au monde. Voilà Quincy par Quincy Jones. Ça, c'est pas de lui, ça. C'est Eddie Barclay. Non, non, ça, c'est Alain Barrière. Voilà.
Alors on va parler du bouquin qui est magnifique. Eddie, c'est un bonheur de rencontrer Quincy, non? Ah oui, mais enfin, on se connaît depuis de très nombreuses années. Ouais. Quincy m'a connu tout petit. Ouais. Tout petit, quand Quincy travaillait chez Barclay. Chez Barclay. Et la première fois que j'ai rencontré Quincy, lui, s'en souvient bien. Mais il s'est marré. Ouais. C'est quand j'ai démarré avec le groupe Les Chaussettes Noires. Ouais. Et il enregistrait la musique du film avec Paul Newman. Ouais. Et il y avait Armstrong, il y avait Duke Ellington, et c'était monsieur déjà qui faisait les arrangements. Ouais, ouais. And we also were best et en plus, Eddie et moi-même et Johnny Hallyday, nous avons été les témoins de 5 des mariages d'Eddie. Ah ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr que les mariages d'Eddie Barclay, ça donne des occasions de se retrouver. Ça vous fait plaisir, Christine, de voir Quincy Jones? Ah oui, formidable, c'est quand même toute notre vie. Ah oui, c'est un monument, vraiment. Hein. Alors, il a écrit un bouquin qui commence très mal. Ça commence dans les hivers du Kentucky. Il fait très froid, vous dites un froid mordant. Impression de geler de l'intérieur. Impression qu'on n'aura plus jamais chaud. Et vous êtes tellement pauvre quand vous êtes enfant, Quincy Jones, que vous mangez des rafferies. C'est-à-dire que votre grand-mère vous cuisine plutôt bien, d'ailleurs, des rafferies. Heureusement que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que je suis passé de la pauvreté, disons, à l'aisance, plutôt que le contraire. C'est un passage plus agréable. C'est mieux que l'inverse, vous avez raison. C'est vrai que vous mangeriez des rafferies en ce moment, ça serait quand même beaucoup plus chiant. Alors, votre mère est malade. Ça a été vraiment un problème, vraiment, pour vous. On le voit en lisant le bouquin. Toute votre vie, vous avez vécu avec ce poids. Elle s'en va un jour. On vous dit qu'elle reviendra bientôt. Le problème, c'est que ce bientôt allait durer des années. Et il y a une scène extraordinaire dans votre bouquin. C'est le jour où les infirmiers l'emmènent. Ils lui mettent une camisole de force. Elle hurle. Elle se débat. Et ils l'emmènent quand même. Alors, vous racontez aussi la visite à l'asile où votre mère est enfermée. Alors, au départ, elle sourit. Vous dites, quand on arrive, elle sourit avec son beau sourire, comme quand elle nous brossait les cheveux ou quand elle nous mettait nos culottes courtes. Et à un moment, son visage change complètement et elle se met très en colère et elle part dans la rage. Et pour un enfant, ça doit être terrible, ça. Sauf que depuis, j'ai appris que, bon, avec cette démence précoce, elle aurait pu être sauvée si on lui avait donné un peu plus de vitamine B. C'est tout ce qu'il aurait fallu. C'était dans les années 30 et 40, on ne savait pas tout ça. Alors, tout au long de votre livre, comme ça, il y a des réapparitions de votre mère. Un jour, en 61, vous êtes à New York, dans un club qui s'appelle le Birdland, qui est vraiment la mecque du jazz. Elle débarque, et quand vous entendez dans l'escalier, vous dites, il va arriver, elle va faire un scandale. Et alors, un jour, vous avez quand même compris que les problèmes que vous aviez eus par la suite avec les femmes, votre côté don Juan, votre don juanisme exacerbé, Quincy Jones, étaient dus aux problèmes, finalement, que vous aviez connus dans la relation avec votre mère. Disons que la ville de Paris m'a un peu aidé à régler ces problèmes. Ouais. Alors, après le départ de votre mère, votre père vous emmène chez votre grand-mère. Et là, vous connaissez le vrai racisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait encore, il y en a toujours, mais à l'époque, il y avait un vrai gros racisme. Humiliation à l'école. On vous demandait à vous et à votre frère d'enlever vos chaussures pour vous gratter la crasse sous les pieds. Alors finalement, donc, votre père revient vous chercher chez votre grand-mère. Vous partez au sud de Chicago dans un quartier qui est tellement violent qu'on l'appelle le sceau de sang. Il y a des bagarres, il y a des vols, il y a des gangsters. Et vous devenez un petit truand, c'est-à-dire que vous apprenez à vous défendre, Quincy Jones. Et un jour, voilà, vous apprenez que dans la salle des fêtes de l'endroit, il y a de la nourriture qui est stockée. Ça s'appelle l'arsenal. Vous entrez la nuit par effraction et vous trouvez une glacière dans laquelle il y a des tartes au citron méringuées. Donc ils rentrent comme ça la nuit. Et là, vous voyez un vieux piano qui est là sur une estrade. Vous le regardez, vous commencez à pianoter d'un doigt et vous trouvez à ce moment-là la paix pour la première fois. Vous savez, au moment où vous entendez cette note que vous générez en tapant sur le piano, vous savez que c'est votre destin. Vous dites cette phrase extraordinaire, « Chaque note comblait mes vides intérieurs. J'avais trouvé en une seconde une nouvelle mère, la musique. » Eh bien, effectivement, ce moment m'a littéralement sauvé la vie.
Eh bien, moi, pour moi, j'ai eu cette nouvelle mère. La musique a été cette mère bienveillante qui m'a donné tout l'amour que j'attendais et qui m'a rendu l'amour que je lui donnais. J'ai eu cette chance. Ensuite, vous vous installez à Seattle, vous rencontrez Ray Charles. C'est-à-dire, quelle époque, c'est extraordinaire. Il tombe sur Ray Charles. Ray Charles avait 16 ans, vous avez 14 ans. Et pour vous, c'est un modèle, Ray Charles. C'est-à-dire que malgré sa cécité, il se comportait comme un petit homme. Il était tout à fait indépendant, malgré son jeune âge, 16 ans. Et vous commencez à le prendre comme modèle. En effet, un modèle, parce que moi, j'habitais encore à la maison, alors que Ray Charles avait son propre appartement. Il était propriétaire de deux costumes, d'un phonographe et de deux petites amies. Alors, c'était fabuleux. Il était parfaitement capable de faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait aller au magasin tout seul, traverser un feu rouge, rentrer chez lui, faire ses achats. Et le seul moment où il n'était plus aveugle, c'est quand lui ou Stevie Wonder rencontraient une belle fille. Alors là, tout d'un coup, il faisait semblant d'être aveugle pour être aidé par les belles filles. Non, mais Ray, d'ailleurs, aujourd'hui, est encore mon ami le plus proche au monde. Alors voilà, c'est sur le piano de Ray Charles que vous travaillez, le premier morceau que vous avez écrit dans votre vie. Et alors là, il y a un épisode assez triste, c'est qu'un jour, vous rencontrez Lionel Hampton et vous lui demandez de faire partie de son orchestre. Il vous accepte dans l'orchestre, vous êtes vachement content, vous êtes très jeune. Et la femme de Lionel Hampton arrive et commence à l'engueuler en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce môme que tu as pris dans l'orchestre ? Tu vois bien qu'il est trop jeune, il faut qu'il aille finir ses études avant de faire partie de l'orchestre. » Et vous, vous êtes dans le bus, assis, vous êtes prêt à partir en tournée avec Lionel Hampton. Et sa femme vous fait descendre du bus. C'est terrible, ça. Et ça n'est que 3 ans plus tard qu'effectivement j'ai intégré le groupe. Mais enfin, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, mais vous dites, sur le moment, j'ai cru mourir, quoi. C'était terrible, parce que c'était d'un seul coup tous vos rêves qui s'enfuyaient. Alors ensuite, sur les conseils de Lalo Schifrin, que vous rencontrez à Buenos Aires, en même temps qu'Astor Piazzolla, d'ailleurs, vous venez en France pour travailler avec Nadia Boulanger. Alors, je sais pas si vous connaissez Nadia Boulanger, mais c'était un professeur de composition qui était ami avec Ravel, avec Stravinsky. Enfin, avec Stravinsky, elle était un peu plus qu'ami. Elle a fait des galipettes un peu avec Stravinsky, non? Oh, I don't know about that. Je ne sais pas. I wasn't there. Disons que je n'étais pas là pour voir. Je la taquinais un peu à ce sujet, il faut dire, parce que... Bon, je plaisantais, mais elle m'a appris des choses dont je me souviens encore à ce jour, des choses que je n'ai compris que 20 ans après les avoir entendues, et c'est probablement la personne, en tout cas sur le plan musical, qui est le plus influent sur moi. Et je plaisantais avec elle au sujet de Stravinsky. Mais je ne sais pas si c'est vrai toutes ces histoires. C'est incroyable. C'est cette vieille bonne femme qui était amie de Stravinsky, de Ravel, qui avait eu Bernstein comme élève, qui avait refusé Gershwin. Elle vous a tout appris, à vous. Et elle vous a appris surtout que finalement, il n'y avait pas de vraie création sans contrainte. C'est-à-dire qu'on ne pouvait créer qu'à l'intérieur d'un cadre défini. Sinon, ce n'était pas possible. Effectivement, des contraintes. Si on n'a pas de contraintes, alors on ne peut pas avoir de liberté. Moi, je trouvais ça un peu difficile parce que j'avais joué dans des boîtes de nuit. C'était un bebopper, vous, oui. Absolument, en tant que bebop, mais également du rhythm and blues, enfin de tout, du hocus, enfin. Mais c'est elle qui était un véritable géant de la musique. Elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit que la musique d'une personne ne peut pas être plus ou moins que ce que vaut cette personne en tant qu'être humain. Et ça, c'est une bonne raison d'essayer d'améliorer sa propre vie en tant qu'être humain. Alors en 57, vous êtes de nouveau en France, engagé donc par Nicole Barclay, comme directeur musical, arrangeur, chef d'orchestre. Et vous pouvez enfin écrire des arrangements pour cordes, parce qu'aux États-Unis à l'époque, de toute façon, les Noirs n'avaient pas le droit d'écrire des arrangements pour cordes. C'est vrai, on était limité au cuivre. Donc j'ai appris énormément de choses grâce à Eddie Barclay. Il m'a appris tout. Pas simplement la musique, d'ailleurs, également la cuisine, le vin, tout. Voilà, donc avec Eddie Barclay, il découvre la jet set, la Côte d'Azur, d'un seul coup, évidemment. Pour vous, c'est énorme. Alors ensuite, vous racontez en 1974 une truc terrible, un anévrisme sacciforme. Donc c'est l'artère principale qui emmène le sang dans l'hémisphère droit du cerveau qui s'est rompu. C'est l'équivalent de 16 attaques. Et vous devez subir à ce moment-là une opération du cerveau. Vous avez une chance sur 100 de vous en sortir.
Et de toute façon, même si vous en sortez, vous avez énormément de risques d'être paralysé, d'être aveugle. Et alors, vous racontez cette scène extraordinaire, c'est quand on vous emmène pour vous opérer, pour vous passer sur le billard. Vous avez le crâne rasé et vos cheveux sont mis dans un petit sac en plastique accroché à la civière. Au cas où vous mourrez, comme ça, on pourra vous remettre les cheveux pour l'enterrement, non? Mais ce qui est sympa, par contre, c'est que si vous survivez à cette opération, tout ira bien. Parce que malheureusement, vous avez un deuxième anévrisme et dans deux mois, vous y repassez et on vous rase de nouveau. Alors là, c'est ça qui me faisait un peu peur. Ça veut dire qu'on avait deux chances, une chance sur 2000 d'en sortir plutôt qu'une chance sur 1000. Et alors, ça va maintenant? Non, le seul problème, c'est que je suis obligé de faire un régime, et en France, c'est pas facile. Ah ouais? C'est pas un régime sans fille, au moins? Oh non, never. Ah non, ça non, jamais. Vous avez compris à ce moment-là qu'on avait 25 000 jours sur Terre pour tout faire et qu'il fallait en profiter. C'est vrai, et si on regarde, sa vie comme ça, disons qu'on a 30 000 jours jusqu'à là de 80 ans, on dort pendant 10 000 jours, on travaille 10 000 jours, et les 10 autres 1 000 jours, c'est pour jouer, pour s'amuser, pour tout ce qu'on veut. Et donc, si on divise sa vie comme ça, entre le sommeil, le travail et le reste, ben, c'est ça qui vous reste. Alors, c'est ce que je me dis, bon, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de votre vie. Vous avez bien raison. Alors voilà, le livre raconte tous les artistes pour lesquels vous avez travaillé. Quincy, évidemment, il y a Dinah Washington, Frank Sinatra, que vous rencontrez à Monaco et qui, quelques années plus tard, vous rappelle, alors que vous pensez qu'il vous a oublié, il vous rappelle pour que vous produisiez son disque. Et puis Michael Jackson, avec qui vous avez fait Off the Wall, vous avez fait Thriller et vous avez fait Bad ensemble. Thriller, 40 millions d'albums, Bad seulement 22, oui, c'est vrai. C'est un peu un flop, hein, Bad. Ça va tout à fait. Hein. Et je crois que Michael Jackson aussi, ça lui conviendrait tout à fait comme flop. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est devenu aujourd'hui? Bien, je pense que, disons qu'il est passé du fantasme à la réalité et vice-versa. Mais je crois qu'on ne peut pas trop lui jeter la pierre. Je crois que ce qui lui est arrivé depuis l'âge de 5 ans, tout ce qui lui est arrivé a été multiplié par 1000, parce que c'est probablement l'artiste le plus célèbre, en tout cas sur le plan musical. C'était vraiment la star des stars. Et c'est dur à gérer si on n'a pas vraiment, disons, la tête sur les épaules, si on n'a pas un centre spirituel. Il faut la spiritualité en soi pour pouvoir garder la tête froide. Alors, ce qu'on fait en général dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui vous fait monter, bien, inconsciemment, cette même énergie vous traîne vers le bas sans qu'on en soit conscient. Hein. Ça, j'ai vu ça des milliers de fois. Et j'espère que ça ne vous arrivera pas à vous. Oula. Eddie, vous avez senti à un moment, vous, ça vous est arrivé, ça? Espèce de vertige comme ça, de vous dire je contrôle plus. Non, c'est-à-dire que non, je me suis dit, si un jour je vends 40 millions d'albums, peut-être. Ouais. Mais donc j'ai le temps. Bien, alors vous avez eu des problèmes aussi psychologiques, c'est-à-dire qu'à un moment vous coproduisez La Couleur Pourpre avec Steven Spielberg. Et à la suite de ça, vous êtes victime, Quincy, d'une dépression nerveuse. Autre moment difficile aussi, c'est quand votre fille Kidada vit avec Tupac, et que Tupac est assassiné aussi, Oui, elle était fiancée, même. Ils allaient se marier, les deux. Et quand il s'est fait assassiner, il s'était querellé avec un autre gang, avec je ne sais plus qui, et elle était censée être assise à côté de lui dans la voiture où il s'est fait assassiner. Heureusement, il n'était pas allé chercher la femme, parce qu'elle serait morte elle aussi. Il avait 25 ans, le gars. C'est incroyable. Et quelques mois plus tard, Big Notorious est assassiné aussi dans tout ce groupe de rappeurs de Los Angeles. Vous avez été parmi les premiers à prédire le succès du rap et l'importance du rap. Moi, je me souviens, on s'est vu pour la première fois dans une émission en 1989 qui s'appelait « Lunettes noires pour nuit blanche ». Et c'est vrai. Et vous m'avez dit, oui, le rap, c'est comme le jazz, c'est comme le rock, ça va tout révolutionner. On était en 89, bon, ça commençait à peine. Et vous aviez raison, parce qu'aujourd'hui, ça a été une espèce de déferlante mondiale. Et oui, et moi, j'ai eu ce sentiment, parce que j'ai suivi les tout débuts du rap.
Il y avait LL Cool J qui avait 15 ans, je me rappelle, et qui m'a dit une fois dans les bureaux de Def Jam, il a demandé qu'est-ce que pensent les musiciens de nous. Et je lui dis, mais vous êtes au fait, pas exactement des musiciens, des chanteurs, vous êtes dans la tradition orale africaine ou comme les conteurs de Bangui. Voilà, alors donc Quincy Jones, aujourd'hui vous avez 70 ans et vous êtes en train d'écrire votre première comédie musicale consacrée à Sammy Davis Jr. Vous avez bien connu. Vous dites, la retraite c'est s'asseoir et attendre la mort. Vous n'êtes pas prêt de prendre votre retraite donc? Not, pas du tout. Certainement pas. Non. On parle beaucoup de retraite en France en ce moment. Oui. No way. Ça, je risque pas, non. Jamais. Non. Non, je crois qu'il faut, continuer à rester vivant dans l'esprit pour que le corps reste jeune lui aussi. Pas vrai, Eddie? You're right.